مرحبا مشتركي صبور عنيت باش نصلح لكم ان اوتر اكزومبل دو دوفوار دو كونترول نيميرو 3 اون مات بور لو دوزيام اني انفورماتيك دونك الدوفوار هذاك العاده فيه 3 اكزرسيس اكزرسيس على البارتي اريثميتيك اكزرسيس 8 اي اكزرسيس لهنا على الروتاسيون دونك نبدا بالاكزرسيس الاولاني الوغ الاكزرسيس هذايا على الاريثميتيك جوست باش نحل بارونتيز لهنا نتوما كان دوفوار نتاعكم دوفوار دو كونترول بالطبيعه باش يجي على des autres chapitres على خاطر كل بروف في نوصل اوكي okay? بيان سور انتم كان باش يجي على ما نعرفش على لي زوتر شابيتر مثلا باش يجي كان على السويت ولهنا وموتيسي مش روتاسيون اوكي okay? انتم ولا على لي تريغونوميتري انتم اتصلوا بينا وحنا نحضروا لكم دوفوار على البارتي اللي باش يجي عليها اوكي بون بور لو مومون انا محط لكم دو دوفوار لهنا معناتها على لاريثميتيك والسويت والروتاسيون Alors, l'exercice l'ouléni, un nombre entier naturel s'écrit sous forme A5, 6, 1, 9, déterminé A pour qu'il soit divisible par 11. Donc, l'ouléni est la divisibilité par 11. Alors, A5, 6, 1, 9, l'ouléni est n'exquenel A, est divisible par 11. On va l'ouléni calculer l'S, c'est-à-dire qu'il y a A, moins 5, plus 6, moins 1, plus 9. Ok? Donc, je t'attends A. L'hénè a dit moins 5, plus 6, 1. 1, moins 1, 0, plus 9. Voilà. Donc, A plus 9 est divisible par 11. C'est-à-dire, l'hénè A quoi égal A égale à 2. La khatr qui n'a 2 plus 9, puis j'ai 11. 11 sur 11 égale à 1. Donc, la date de l'île aujourd'hui, ou 25 619. Voilà. Question les bas. Donc, déterminer tous les entiers naturels qui divisés par 11 donnent un quotient égal ou double du reste. Donc, c'est-à-dire A, un entier. Naturel divisible. 11 donne un quotient égal ou double du reste. Je m'entends. Je me l'ai dit, mais bien sûr, on l'a sous forme d'équation. C'est-à-dire, donc, A égale à 11 fois 2R plus R. Donc, 11 fois 2R, donc 22R. Plus R qui est égal à 23R. Bien sûr, l'NL, R est M à 0, 1, 2, 3, Hatech le 10. Donc R donc LA est multiple de 23 entre chenal l'NL. Pour R égal à 0, donc R égale à 0 entre 0 et pour R égale à 10 entre 230. Donc A entre 0 et 230 et bien sûr A est multiple de 23. Donc là je me retourne tous les exemples puisque on a fait devoir. Donc A égale, il y a M 23 fois 0 donc 0, 23 fois 1 donc 23. 23 fois 2, donc 46. 23 fois 3, donc l'hénéa anna 69. 23 fois 4, donc dans une petite calculatrice, donc l'hénéa, voilà. Donc 92. 23 fois 5, 120. Donc 23, l'hénéa. Donc, l'année a 0, 1, 2, 3, 4, 5 fois 6, c'est dit que. Fois donc 7. 23 fois 8. 9. Fois 10, voilà. Donc, à demain. Les exemples de A. Ok, voilà. Dans la question 3, trouvez tous les entiers naturels dont la division euclidienne par
64 donne un reste égal au cube du quotient. Je m'en rappelle. Donc, B, un entier naturel dont un reste donc égal du quotient, c'est-à-dire l'année B égale 64 Q plus l'année donc Q à la puissance 3, un reste égal au cube du quotient. Ok, voilà. Donc, l'année, bien sûr, Q à la puissance 3. Et M1 appartient à l'aile 0, 1, 2, hâtez le 63. Okay? Alors, l'année, donc, le Q, chambchikou l'année. Alors, l'année, donc, le Q, et M2 ou 3. Donc, B égale 64 fois 2 plus 8. Ou là, B égale 64 fois 3. Plus l'année, donc 3 à la puissance 3 plus 27. Voilà. Donc l'année. Ok. Ou bien, donc, on a 64 fois 3 plus 27, 219. Voilà. Question, donc, l'exercice, on divise 4294 et 3521 par un même entier naturel non nul, n. On obtient respectivement pour reste 10 et 11, trouver l'entier n. Voilà. Donc, les numéros normales. Regardez la date 4294. Quasiment la n, donc n fois q, le reste c'est 10. Ok? Alors, l'année. À quoi est égal NQ? 4294 moins 10, qui est égal à 4284. Ça, c'est N fois Q. Ben, voilà, la date il y a 3521, kif kif, donc, quasiment à N, donc fois Q prime, le reste, c'est 11. Alors, NQ prime égale 3521 moins 11, qui est égal à N. Donc 3510. Ça, c'est n fois q prime. Donc, on a deux équations et deux inconnues. Donc, on a deux équations. Les inconnues, les sont on a n, on a le q prime. Ok? Ben. Donc, n est un diviseur commun de 4284 et 3510. Donc, on a ou la date d'aide, je ne fais que comme il ajoute à Awam al-Awaliya. Donc, on joue le N, je ne sais pas. Donc, 4284, je 2 à la puissance 2, fois 3 à la puissance 2, fois donc 7, fois D7. Tu vois que quand il ajoute à Awam al-Awaliya, comme je fais donc la 7e année. 3510 égale 2 fois 3 à la puissance 3, fois 5, fois 13. Alors, le n, je ne me coule, le n, je me coule, 18. Ok, voilà. La chat, le n, il y a un diviseur commun de ces deux nombres. Donc, diviseur commun, donc c'est 18. Et le n, le n, donc, je me coule, donc, 18 et 2 fois 9, bien sûr. Donc, 2 fois 9, mon joue, 2 fois 9, mon joue, le n. Voilà. Donc, on passe l'exercice 2 ou l'exercice à suite. Soit UN est suite géométrique d'horizon Q, tel que Q entre 0 et 1. Sachant que U0, U1, U2, donc U0 fois U1 fois U2 égale à 8, calculer U1. Déterminer Q, sachant que U0, U1 et donc U2 moins U3 sont dans cet ordre trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Vérifier que UN égale à 3, 2 tiers à la puissance N pour N appartient à N. Voilà. Donc, c'est une suite géométrique, donc c'est-à-dire l'année UN à quoi est égal? UN égale, donc
U0 Q à la puissance N. Gali inul U0 fois U1 fois U2 égale 8. Donc, normalement, donc U1 quoi est égal U1, il y a U0 fois Q à la puissance 1. Voilà. Ou U2 égale à U0 fois Q à la puissance 2. Donc, N est qu'il U0 fois U1 fois U2, je n'en puisse pas. Donc, là, je vais donner U0. Il y a U1 sur Q. Okay? Bien sûr, là, on a U2, il y a U0 fois Q au carré. Mais N a juste là, c'est-à-dire égal à U1 fois U0 fois U2. Ok, ouais. Mais U0 fois U2, je vais faire de ma wahada. Donc, quoi est égal? Je vais vous donner la clé. U0 fois U2. Donc, U0, il y a U1 sur Q. Ou U2, donc il y a U0 fois Q au carré. C'est-à-dire égal U1 sur Q. Donc, U0, donc U0 qui fait donc U1 sur Q. Bien sûr, fois Q au carré. J'ai taout U0 plus U1 sur Q kif kif. Donc, je peux simplifier par Q au carré. Je t'apprends égal à U1 au carré. C'est-à-dire U0 fois U2. Donc, U0 fois U1 fois U2 égale donc U1 fois U1 au carré qui est égal à U1 à la puissance 3, donc égal à 8. 8 et 2 à la puissance 3. Alors, U1 me conquête 2. Voilà. Donc, question les bada, déterminer Q, sachant que U0, U1 et U2 moins 1 tiers sont dans cet ordre trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Je m'appelle une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est-à-dire ben, UN plus 1 moins UN égale à R. Ok, ben. Donc, c'est-à-dire U1 moins U0 égale U2 moins 1 tiers moins U1. Donc, là, on a U1 moins U0 moins U2 plus 1 tiers plus U1 égale à 0. C'est-à-dire 2U1 moins U0 moins U2 plus 1 tiers égale à 0. Mais le U1, on a déjà assez où il habite là le Q. Donc, on a U0. On a U1 sur Q. On a U2, donc il y a U0 Q au carré, c'est-à-dire U1 sur Q fois Q au carré, donc qui est égal à Q U1. Et il y a U2. Je vais vous dire que je vais vous dire 2U1 moins U0, c'est-à-dire moins U1 sur Q, moins U2, c'est-à-dire moins Q U1, plus 1 tiers, égale à 0. Le 1 alpha, il y a 2. Donc, l'énem, 2 fois 2, 4, moins 2 sur Q, moins 2Q, plus 1 tiers, égale à 0. Équation, c'est l'inconnu du Q. Donc, 4 plus 1 tiers, l'énem, 4 fois 3, 12, 12 plus 1, 13 sur 3. Voilà. L'énem, qui fait, je vais faire un peu de donc, moins 2 sur Q, moins 4Q sur 2, HQ, donc moins 2 Q au carré sur Q égale à 0. Alors, 13 sur 3 moins, donc 2 plus 2 Q au carré sur Q égale à 0. C'est-à-dire, là, 2 plus 2 Q au carré sur Q égale 13 sur 3. Hédifi, égale hédifi, hédifi. Donc, 3, 2 plus, donc là, je vais rajouter en facteur, c'est-à-dire, là, 6, j'ai pas les 1 plus Q au carré égale à 13Q. C'est-à-dire 6Q au carré plus 6 moins 13Q égale à 0. Voilà. Donc, équation second degré. On va résoudre le système terme. Donc, 6Q au carré plus 6 moins 13Q. Plus 6 moins 13Q égale à 0. Voilà. Donc, c'est-à-dire A égale à 6, B égale à moins 13, ou C égale à 6. On va déterminer delta. B au carré moins 4 AC. Donc, égale moins 13 au carré
moins 4 fois 6 fois 6. Donc, calculatrice, je mets la retouche. Alors, 13 au carré, 169 moins, donc 4 fois 6 fois 6, 144. Voilà, donc 169 moins 144. On trouve 25. Je m'en ai 25 au carré. Il y a où delta. Alors, on a deux solutions. Q1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire l'année 13 moins 5 sur 2 fois 6, donc sur 12. 13 moins 5, donc l'année Bourdoubène. Alors, on a une condition de l'OLAQ. Et dès qu'il y a une condition, donc égale à 8 sur 12. Je peux simplifier l'année donc par 4, je t'attends 2 sur 3. Et Q2 moins b plus racine de delta sur 2a, donc 13 plus 5 sur 12, et je t'attends 18 sur 12. Donc je peux simplifier par 2, je t'attends 18 sur 2, donc 9, et 2 sur 2, 6. Je peux aussi simplifier par 3, donc je t'attends 3 sur 2. Et Q2, b, donc Q1. Égal à 2 tiers. Mais on attend les conditions ou l'exercice, quelle est la Q entre 0 et 1. Donc, quelle est la valeur de Pichinakhada? Bien sûr, la valeur de l'année. Alors, l'année Q égale à 2 tiers à la khater Q entre 0 et 1. Voilà. Vérifier QUN égale à 3, 2 tiers N pour tout N, dont N. Déjà, on attend la Q 2 tiers. Donc, voilà. Donc, UN égale à U0. Q à la puissance n, donc Q déjà au 2 tiers de l'année, m'katli l'U0. Donc, on a l'U0, il y a U1 sur Q. Donc, l'U1, il y a 2 sur 2 tiers. Donc, qui est égal à l'année, bien sûr, 3. Finalement, donc, UN égale à 3, 2 sur 3 à la puissance n. Voilà. Ok, on compte quand même les deux exercices et on va corriger ensemble l'exercice de l'année fait devoir en terme. Alors, l'exercice montré à l'écran, donc un exercice sur partie rotation. Donc, je vais en A, O, B, un triangle rectangle en A dans le sens direct tel que A, O, B égale à pi sur 6. Donc, je vais en pi sur 6. Donc, nié ou thméni qui t'insomme, donc à la 7, c'est-à-dire 30 degrés. Donc, on construit à l'extérieur du triangle AOB deux triangles équilatéraux AOC et OBD. On désigne par I le milieu du segment BD et que R la rotation directe de centre O et d'angle pi sur 3. Déterminer R de A, R de D et on déduire que BC égale à AD. Montrer que R de A, R de I égale à A. ضيفة دونك ورقة نضيفة باش نحطو عليها الرسم نتاعنا معناتها ورقة وحدها خاطر في دوار دونك لهنا A و B ان تريونغل ريكتونغل ان A دون لو سونس ديريكت بيان سور لهنا وعندنا لونغل A و B ايكال بي سور 6 Donc, de préférence, Mzid Ntaoulfi. Voilà, donc mon énergie en appui sur 6, il est 30 degrés. Voilà, donc A, O et le point B. Donc, on construit à l'extérieur du triangle A ou B deux triangles équilatéraux AOC, donc AOC et O, B, D. Donc, on a le triangle de l'énigme, lui, A, O, C. Équilatéraux, maintenant, on a mis à l'envers. Voilà. Et donc, A, O, C. Et l'autre triangle, c'est OBD. Donc, O, AN, B, puis nous avons le point fait relié D. Donc, OBD, voilà, donc, puis j'y mets.
Voilà. B. Donc, on désigne par I le milieu de BD. Donc, milieu de BD est le point I. Donc, la même, je trouve. Et par R, la rotation des rectes de centre O et d'angle pi sur 3. Alors, déterminer R de A et R de D. Donc, quoi est égal R de A à quoi est égal R de D? Donc, R de A, on a OA égale OC. Alors, le triangle interne, OA égale OC, c'est un triangle équilatéral. Okay? Donc, et AOC égale pi sur 3. Alors, il nous R de A égale à C. Voilà, donc R de A et le point C. De même, OD égale à OB et l'angle DOB égale à pi sur 3. Alors, R de D égale à B. Donc, OD égale à OB ou l'angle est pi sur 3, la rotation pi sur 3, donc l'angle de rotation, alors RD égale à B. Okay? Voilà. Et on déduit que BC égale à AD, donc d'où AD égale à BC. Okay? Alors, la rotation, bien sûr, conserve la distance. Voilà. Question les bâtons. Donc, montrer que R de I égale à A. I est milieu de B, D. Donc, quoi égale R de I? On a I milieu de BD. Donc, OBD équilatéral. Donc, IOB, l'angle IOB égale à pi sur 6, qui est égal BOD. C'est un triangle équilatéral. Donc, OIB quoi égal? Égale à pi sur 2, qui est égal BAO. Encore l'année, voilà. Donc, O, I, B, A, I, et pi sur 2. Allez, je l'ai. À la khatr, I milieu de BD. OB égale à OD. Alors, donc la médiatrice de BD, donc puisqu'on a dit angle droit radiculaire, pi sur 2, qui est égal à BAO. BAE, pi sur 2. Okay? Alors, OBI, triangle OBI, et OAB sont deux triangles isométriques. Kif Donc, bien sûr, OI égale OA. Voilà. Donc, OI égale OA. Et, donc, je vais aller à l'angle IOA égale, donc, comme donc, IOA. IOB plus BOA. Voilà. IOB pi sur 6, BOA pi sur 6, donc statine pi sur 3. Voilà. Donc, R de O. Donc, bien sûr, d'après les deux relations, R de I égale à A. Voilà. Donc, question 2. Soit C le cercle circonscrit au triangle AOI et C prime le cercle circonscrit au triangle AOC. Donc, bien sûr, je trouve les deux cercles internes circonscrits au triangle. Donc, cercle où l'année est circonscrit au triangle AOI. Donc, le triangle AOI. Et I. Donc, je trouve le centre d'un cercle. Donc, le centre de A ou l'intersection des médiatrices. Voilà. Donc, il y a cercle C.
Et ces primes cercles circonscrits au triangle donc AOC, AOC, donc le triangle est. Donc le nez centre fume chicot, le triangle le nez équilatéral donc le mustaqimat le voilà donc elle est au centre de notre cercle. Donc le nez حاولوا بالطبيعة كما قلت لكم ما يتحركش انا ديما على خاطر دونك نورمالمون تتعدى من البوان سي فوالا دونك فوالا دونك اللي هي البوان سي دونك اللي هي سيركل سي بريم اوكي باهي السؤال لهنا مونتري كو ار دو سي ايجال سي بريم دونك شنو عندنا حنا لهنا عندنا ار دو او ايجال او ار دو اي ايجال ا ار دو ا égale à C. Donc, l'année, bien sûr, C' égale à R de C. R de O égale à O. Et R de I ou A. Ou R de A, c'est C. Donc, cercle l'année. Cercle l'année, C, c'est à dire A ou I ou O. OK? Donc, A, I, O. Alors, cercle C', c'est à dire O. C'est à dire O ou A ou C. Donc, bien sûr, R de C ou C'. Voilà. Donc, le nez, c'est circonscrit à, au triangle AOI. Donc, le nez, bien sûr, c'est prime circonscrit au triangle AOC. Voilà. Donc, c'est le montant interne. C'est-à-dire, le nez OIA, donc, appartient à le C. Ou le OA, c'est appartient à le C'. Donc, il y a des pichartini, nous, c'est l'image de C' ou la R de C, il y a C'. Question B, la droite AD recoupe le cercle C en O, en E, donc droite AD. Aïe. Donc droite AD, je vais, hein? Donc la droite AD recoupe le cercle C en un point, il y a le point E. Donc bien sûr, il y a le point E. Voilà. Et donc, et la droite CB, donc droite CB, voilà, donc C et B, hein. Bien sûr, qui m'a goûté comme N à condition, l'écran, on avec les points, on a tout le principe, on a de la donc, la droite CB recoupe ses primes en F, donc ses primes en F, bien sûr, point F, puisqu'on est dit. Montrer que R de E, égale à F. Voilà. Donc, on a E appartient à AD, l'intersection entre AD et C. Donc, R de E, c'est l'intersection entre R de AD et R de C. C'est-à-dire, R de E appartient donc R de AD ou BC ou R de C ou C'. Donc, je n'ai plus le R de E. Et F, à la fin de BC ou C', il y a 4 sur le point F. Voilà. Question l'autre, donc, question 3, construire en expliquant un point M de la droite AD, donc droite AD à O, et un point N de la droite AO, tel que le triangle OMN soit équilatéral direct. Donc, les négociations. M appartient à AD, où N appartient à O, les conditions le nez, nous OMN soit latéral direct. Donc, qui fait que je vais mettre les deux points à donc qui fait que je vais mettre les deux points à dos, ok? Donc, je vais mettre les deux points OMN équilatéral direct. L'année OM égale ON, M ON égale pi sur 3, c'est-à-dire R de M égale N. Ok, donc l'année alors R de M égale à N. Or, M est majoude donc à l'AD, on a le M appartient à l'AD, donc R de M appartient donc l'R de AD. C'est-à-dire, le n
appartient à l'BC. Khat l'R de AD, bien sûr, roi BC. Donc, l'hne, N appartient à O. Déjà, l'hne, hypothèse m'lou, l'atihouli, d'où, donc N appartient l'BC ou l'AO à la fois, donc qui est l'intersection entre BC et AO. Donc, la construction de M telle que OMN soit équilatérale directe. Donc, l'hne, OMN soit donc, qu'est-ce que je trouve là, les points termes? Voilà. Et nous, le point N appartient au BC ou l'AO à la fois. Donc, l'intersection entre BC donc, et AO. Alors, fin, je trouve le point N. Point N, allez. Donc, le point M tel que OMN, donc OMN, voilà. Donc, je trouve une partie, allez, soit équilatérale directe. Donc, O. N, voilà, donc N. Voilà. Donc déjà, M appartient à la droite AD, voilà, donc je trouve le point M. Voilà. Ok, donc nous avons un exemple très intéressant de devoir de contrôle numéro 3 pour la deuxième année informatique. Soyez sûr, les devoirs de terre, comme je connais, c'est le même. Maintenant, quand je fais tout le devoir, ou fume tout, ou maintenant, ou quelque chose, c'est sûr, je fais mon devoir comme le bébé. حاجة أخرى كان عندكم أنتم مقترح عندكم إكزرسيس عندكم بارتي باش تجي في الدوار ما كنتوش محضرينها بالكدا ولا شفتوا إنه معناتها على السيت نتاعنا لي زيكزرسيس ماهمش كافيين باش أنتم بيان سور تفهموا بها البارتي نتاعكم على خاطر لهنا سي سور معناتها فما حاجات ما خدمناهمش دونك اتصلوا بصابورانيت شوفوا شنو البارتي اللي تحبوا نركزوا لكم عليها دونك وإحنا أفوتر لهنا سيرفيس.